Le grand requin blanc, également connu sous le nom scientifique Carcharodon carcharia, est l'une des espèces de requins les plus emblématiques et redoutées. Voici une description du grand requin blanc. Apparence, le grand requin blanc est un prédateur marin imposant et puissant. Il a un corps fuselé et robuste, pouvant mesurer en moyenne entre 4,5 et 6 mètres de long, bien que certains individus puissent atteindre des tailles encore plus grandes. Il possède une peau gris-bleue sur le dos, qui se fond avec l'océan lorsqu'il est vu de dessus, et une partie ventrale blanche, ce qui lui a valu son nom. Il a une tête large et conique avec une gueule remplie de grandes dents pointues et acérées. Dentition, le grand requin blanc est célèbre pour ses dents impressionnantes. Il possède plusieurs rangées de dents triangulaires et dentelées, qui sont constamment remplacées tout au long de sa vie. Les dents avant sont plus larges et conçues pour saisir et déchirer la proie, tandis que les dents arrière sont plus courbées pour retenir la proie lorsqu'il l'engloutit. Comportement alimentaire. Le grand requin blanc est un prédateur carnivore. Il se nourrit principalement de mammifères marins tels que les phoques, les otaries et les dauphins. Il est également opportuniste et peut se nourrir de poissons, de tortues marines et même de carcasses d'animaux. Lorsqu'il chasse, le grand requin blanc utilise une technique appelée « frappe d'embuscade » où il attaque sa proie avec une grande vitesse et une force impressionnante, souvent en bondissant hors de l'eau. Répartition et habitat. Le grand requin blanc se trouve dans les eaux côtières et océaniques de nombreuses régions du monde, notamment dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Il préfère les eaux tempérées à froides, avec des températures allant de 12 à 24 degrés Celsius. Il est souvent observé près des côtes, mais il peut également se déplacer en haute mer. Les grands requins blancs sont des prédateurs solitaires, bien qu'ils puissent se regrouper temporairement dans des zones riches en nourriture. Ils sont connus pour leurs longs voyages migratoires, parcourant de grandes distances à la recherche de proies. La reproduction du grand requin blanc est ovovivipare, ce qui signifie que les œufs se développent et éclosent à l'intérieur de la femelle. Une portée peut compter de 2 à 14 petits, qui naissent déjà formés et mesurent généralement entre 1,2 et 1,5 mètres de long. Anatomie et physiologie. Le grand requin blanc possède une anatomie spécialement adaptée à la chasse et à la vie marine. Son corps hydrodynamique, doté de nageoires pectorales et dorsales puissantes, lui permet de se déplacer rapidement et efficacement dans l'eau. Il est également équipé d'un système de nageoires caudales supérieures, qui lui confère une grande agilité et une excellente capacité de virage. De plus, les ampoules de Lorenzini, des organes sensibles situés autour de sa tête, lui permettent de détecter les champs électromagnétiques générés par ses proies. Migration. Le grand requin blanc est connu pour ses migrations impressionnantes à travers les océans. Il parcourt de longues distances à la recherche de proies et suit souvent des itinéraires préférentiels. Par exemple, certains individus se déplacent entre l'Afrique du Sud et l'Australie, tandis que d'autres se déplacent entre la Californie et Hawaï. Les raisons exactes de ces migrations ne sont pas complètement comprises, mais on pense qu'elles sont liées à la recherche de nourriture, à la reproduction et aux conditions environnementales.
Écologie. Les grands requins blancs occupent le sommet de la chaîne alimentaire marine et jouent un rôle crucial dans la régulation des écosystèmes océaniques. En tant que prédateurs, ils aident à maintenir l'équilibre des populations de leurs proies, contribuant ainsi à la stabilité des écosystèmes marins. Leur présence est essentielle pour maintenir la diversité et la santé des écosystèmes côtiers et océaniques. Interaction avec l'homme. Le grand requin blanc a acquis une réputation de prédateur dangereux en raison de quelques attaques sur des humains. Cependant, il est important de noter que les attaques de requins blancs sur les humains sont extrêmement rares et généralement le résultat d'une confusion avec des proies naturelles. Les requins blancs ne considèrent pas l'homme comme une proie préférée. Malgré cela, il est essentiel de respecter et de protéger ces animaux dans leur habitat naturel. Recherche et conservation. Étant donné le statut vulnérable du grand requin blanc, de nombreux chercheurs et organismes se consacrent à l'étude de cette espèce et à sa conservation. Des efforts sont déployés pour mieux comprendre son comportement, ses habitudes de migration et ses besoins écologiques. La mise en place de zones marines protégées, la réglementation de la pêche et la sensibilisation du public sont des mesures clés pour préserver cette espèce emblématique. En résumé, le grand requin blanc est un prédateur marin fascinant, doté d'une anatomie adaptée à la chasse et à la vie en milieu océanique. Il joue un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes marins en tant que prédateur de sommet. Malgré sa réputation, les attaques sur les humains sont rares. La recherche et la conservation sont essentielles pour protéger cette espèce vulnérable et préserver les écosystèmes marins dans lesquels elle évolue.